Et yo, salut à tous, c'est Kiz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du Colisum 3v3 avec la team Kra, Yop et Niripsa. Du coup, il n'y a pas de permage cette fois. On affronte un Kra, un Fekka et un SRAM. Il me semble qu'il y a plusieurs qui jouent nébuleux. Holo, c'est-à-dire le SRAM et le Kra. Ok. Alors, c'est parti. Je pense que je vais me mettre ici. Je vais tirer le Yop, même si ça ne sert pas beaucoup. Et on va taper le SRAM, tiens. On va lui mettre deux tirs de flèche harcelante. Et fuir. Je pense qu'on va se mettre ici, tiens. Ça peut être pas mal. Le crack m'a fait un très très gros rox. Après, j'ai pas des grosses résistances. Hein. C'est vraiment stuff basique sur mon cra. C'est une strigide, pas de greffe. Hein. Rien de bien glorieux. Hein. Alors, le SRAM qui lance une calamité. Peut-être sur le cra, non, même pas. Je vais mettre ici. Ok, donc j'ai pris la calamité. Je vais faire deux épis divines. Est-ce que j'ai pas de 1 PM? Tu as eu 3 PM sur le Kra, ouais. Vraiment gros ça. Je pense que je vais finir ici, ça peut être pas mal. Alors on affronte un petit Fekka. Celui qui m'a l'air full air, je pense, au vu de son tac. Pardon, le Kra. Bon, je sais pas, il doit jouer le même stuff que moi, sauf qu'il y a des plus grosses résistances. Donc à voir. Alors que nous fait le Kra? Le Kra, le Fekka. Enfin, prend pas rien. Bouclier Fekka, ok. Est-ce qu'il a pris le SRAM avec lui? Non. Ok. Alors, mode amitié. On va se mettre ici. On va PA le Kra, je pense. Je vais mettre en mode régène pour le soigner petit à petit. Et je vais mettre deux modes frayeur pour le pousser. Enfin, même un. Histoire que le Kra n'ait pas de ligne de vue sur lui. Je pense qu'il va rester ici, je pense. Ça peut être pas mal. On va s'avancer un petit peu. Je vais mettre juste une caote ici pour niquer la ligne de vue qui est par là. Pour pas que le Kra puisse taper directement le Yop. Donc le Kra qui a un tourné plus bas. Il nous fait un tir éloigné. Est-ce qu'il chope le SRAM? Non, il chope juste le Fekka. Ok, très bien. Je pense qu'il va m'enlever la PO sur la ligne ça. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met une flèche fulminante, ouais. Il va peut-être mettre un œil de taupe sur tout le monde. Ça, il prend le Kra et le Yop. Ouais, c'est pas. Ça me dérange pas plus que ça après. Le seul problème, c'est que j'ai pas de PO là, ce tour-ci. Donc bon, alors, on va se tir critique. Se maîtrise de l'arc. On va double. On va mettre double harcelante, ouais, c'est pas des gros dommages. Hein. On va mettre un œil de taupe ici. On trouve pas le SRAM, c'est dommage, je pense que le SRAM il s'est vraiment avancé pour le coup. On va voir ça. Alors le SRAM qui est en 12-8. Où est-ce qu'il peut être ouf? Alors ça. 8 PM, toujours. 5. Le métier à la mi-temps étant ici. Un piège aurait pu. Ok. Est-ce qu'il va faire autre chose? Un piège fond jeu. D'accord. Bon, je recharge les deux divines, tiens, je vais mettre une vitalité, je pense. Et on va voir si je tape sur un de ces pièges, on verra bien. Donc là, je prends un piège fond jeu. Je vais tout simplement finir ici, je pense. On va éviter de trop s'approcher. Le Kra qui s'ataraxie. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être ce TP me rush, on va voir ça. Il m'enlève 3 PA sur le Kra, sur l'ennemi. Ouais, j'ai pas un stuff esquive PA. Hein. Je suis vraiment en mode juste là pour tester ma compo. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous pose une carotte ici. Bah moi ça m'arrange, hein. Je pars soigner le Kra carrément. C'est vraiment cool ça. Je vais PA le Yop. Je vais venir ici, je vais mode régène. Quoi qu'il est encore dessus je crois, ouais. Je vais juste mettre... J'ai pas de PO, je vais me debuff, tiens c'est vrai, j'ai pas pensé. Peut-être faire un mot tournoyant. On va éviter de tuer la caote pour soigner le Kra. Voilà, ça soigne bien le Kra en plus. Et je vais mettre en mode régène sur le Yop ce tour-ci. Et je pense qu'on va finir ici. Enfin, le PM qui se place. Bon, il se place à côté de tout le monde, donc c'est pas trop gênant. Que va nous faire le Kra? Le Kra qui a déjà perdu 500 points de vie. Je pense pas qu'il joue en deux cocos. Il me semble pas avoir vu ça. Au prochain tour, il perd. Enfin, au tour du Fekka, il perd les deux boucliers. On pourra commencer à le taper. Il va mettre deux harcelantes sur l'ennemi, très bien, ouais, ça fait des gros dommages. Et
aussi sur le Kra. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Nous aussi on va lui en mettre deux je pense. Il se rapproche. Il se maîtrise de l'arc, ok. Bon on va mettre deux sur lui aussi tiens. Hop. Ça fait quelques dommages. Est-ce qu'on a un chef RFU? On va mettre un chef RFU. Ça fait pas de lancier, bon c'est pas grave. On va se maîtriser. Et on va se mettre ici. Ah, je prends qu'un répulsif. Je vais me mettre ici je pense. Ouais, là. Ça peut être pas mal. Du coup le chef RFU qui me tape le nerf ça, bon ça m'avantage pas trop. Le SRAM qui est ici, t'es vraiment proche de moi, tiens. Il m'aurait pu... Et peut-être faire un focus sur un des personnages, là. On va voir ça. Sachant qu'il n'y a pas de grosse résistance, ça pourrait m'avantager. Il y a une calamité. Et un pêcheur noir. Ok. Pourquoi pas, bon. Je pense qu'avec l'EP, on va peut-être s'avancer, nous. On va voir ça. Je pense que je vais bon ici. Je vais peut-être mettre... Bah, même si ça fait pas grand-chose, je mets deux épées de Diop. Là, je vais finir ici. Alors, le Fekka faudrait qu'il nous rush, comme ça, ça pourrait être pas mal et je pourrais soigner les personnages aux alentours. Ça pourrait être cool, ça. Voire même soigner les Nirifsa. J'essaie de mettre un mot de silence sur le Kra si je peux. On va voir ce qu'il nous fait le Fekka. Il va peut-être cette épée se mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il y a cette épée? Mettre une glyphe de... Ouais, ça. Une... Pardon. Une glyphe Gravita. Il me rapproche le Kra. Ouais, va bah, sûrement faire ça. Ok. Il me semble que je peux rendre... je peux me rendre un tackler. C'est ça, je me rends un tackler si je fais ça. Bon, on va soigner le Kra déjà. Le Fekka qui n'a plus de boubou. Donc je pense qu'on va y aller. On va mettre un mot de silence ici. Peut-être que ça va choper le SRAM. Non, ça prend les pièges. Mais sans plus. On va rester ici hein, pour pas trop se dévoiler. Ce qui est dommage, c'est que... là, la Pino s'est barrée, du coup, bah, ça le débloque la ligne de vue. Enfin, ça le débloque pour mettre un faux vraiment. Mais bon, heureusement, le Kra joue avant. Que va nous faire le Kra? Il va peut-être faire un full tour sur lui, hop. 5 PA, il met un coup de baguette range qui fait des gros dommages. Hein. C'est vraiment pas mal. Avec le Kra, je crois qu'on perd la maîtrise tour-ci. Non, la maîtrise de l'air qu'on a encore, ok. On va faire un full tour sur le Kra, là, je pense. Pas de concrete, ça pourrait être pas mal, ce serait vraiment bien. Et je vais essayer de le détacler pour que le Yap puisse bon et mettre double cac prochain tour. Alors, on va cac, faudrait que ça crit, j'ai combien de chances de crit? Là c'est pas marqué, bon, normalement j'ai beaucoup de chances de crit hein. Ça crit, moins 1500, moins 1600 on va arrondir hein. Je vais mettre une double flèche d'immo. Je vais finir par une flèche de recul je pense, ce qui fera plus de dommages hein. Ouais ça va être ça. Et je pense, je vais mettre ici, je vais finir ici, ça peut être pas mal. Voilà. Le SRAM qui devrait se dévoiler, qui va peut-être faire un focus sur le Kra. Ah bah le SRAM qui est devant moi, carrément. Qui me tège de la map, ça c'est assez relou. Mais il poursuit pas son, son focus dessus. Ça m'arrange parce que je vais pouvoir bon mettre deux coups de cac et je pense que je pourrais tuer le Fekka. Ce qui pourrait être vraiment pas mal. Il me fait une perquisition qui soigne le Fekka. Ça, ça m'arrange pas trop. Est-ce que j'ai encore la divine? J'ai encore la divine, du coup je vais peut-être pouvoir le tuer. On va voir ça. Après je pourrais pas mettre des deux poux, du coup ça sera un peu chiant. Alors c'est parti. Je vais bon sur le Fekka. Je vais mettre deux coups de cac. Ça va pas le tomber, il lui reste 438 points de vie. Alors on va se précis. Je vais mettre double concentration, ouais, ça va le tuer. Parfait. On va finir avec une concentration qui a pas de poids. Voilà, impeccable. Ensuite, je pense que je vais me placer ici. Pour soigner toute la team hein. Je vais mettre là, je vais pousser le SRAM, je vais le mettre au corps à corps tout le monde. Et je vais mettre deux mois interdits pour soigner bah, all perso. C'est dommage, je crit pas, si je crit, ça fait un bon petit soin. Le crack est full life, le yap aussi. Et je pense que je vais me décaler. Non, je vais peut-être mettre aussi un mot espiègle. Non, je vais mettre un mot fracassant pour retrait encore du père. Voilà, parce qu'en plus le SRAM est en tour nébuleux ce tour-ci. Du coup, il va pouvoir m'occasionner de gros dommages. Alors, le crack est en début haut. Il a une ligne de vue sur moi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Une flèche fulminante qui tape tous les persos. Et il a super. Il va peut-être mettre une explo. Ça fera des gros dommages. Hein. Il va peut-être réussir à me tomber. Il met une flèche destructrice qui me laisse 66 de dommages. Et une flèche abso pour soigner. Ok. Nous, il nous reste 6 PA. Je vais flèche de recul le Kra. Je sais pas si je pourrais le tuer.
Il me semble pas pouvoir le tuer parce qu'en plus je pense pas crit. Je vais mettre une flèche ralento. Je fais une flèche paralysante, tiens. Je vais vraiment jouer retrait PA. Je fais une flèche paralysante. Tu enlèves un PA, je vais mettre une flèche ralentissante. Tu en enlèves deux autres. Je vais finir son corps à corps parce que avec le crash je joue en 2 fus émeraude. Du coup je prends qu'un bonus de fus. Là je laisse une free zone pour me fourrer à mort, mais bon avec ses PA il pourra me tuer. Hein. Et peut-être se soigner. Il me fait quoi? Une calamité. Ah il m'a poussé dans une calamité je crois. Ouais c'est ça. Du coup ça la régène, ça m'a fait des petits dommages sympathiques, mais je pense pas que ça a changé la game. Hein. Avec le yop. Je pense qu'on va essayer de le tuer avec un coup de corps à corps. C'est parti, est-ce que je me suis maîtrise? Je me suis pas maîtrise, donc on va le faire. Je vais mettre une double maîtrise, ça va peut-être le tuer. Je vais faire... Est-ce que avec l'intuition on le tue? Je vais mettre une concentration. Ça le tuera pas, bon, le tuera avec Lenny, de toute façon au pire c'est pas très grave. Hein. Lenny joue juste après. Avec Lenny, on va PA le Kra. Je vais tuer le petit SRAM. Je pense que... Ah j'avais pas vu que le Kra était si mal. Bah du coup je le reconce. Hein. Hop, on va éviter qu'il meure. Et je le prêve. Et je vais finir ici pour prendre que la glyphe du Lapino pour me soigner. Il me soigne un petit 422, c'est pas mal. Alors est-ce que le crâne va se suicider, ça serait pas mal hein, pour éviter que le combat dure trop longtemps. Il met un œil de topo, bah il continue son focus sur le crâne. Bah, il a pas l'air de vouloir se suicider hein. Il va peut-être fuir. Ouais s'il fuit, bon c'est pas trop gênant. Avec le crâne on va dissiper, libération. Je vais me coller je pense, bah je vais me dissiper maintenant. Puis je dispel yep, ça par contre c'est mal joué ça mais bon. Tant pis. Je posais une harcelante sur le Kra. Avec le up on va rush. Je pense que je vais bon. Je vais mettre la totale. Hein. Je vais booster l'Enya Ipsa. Je vais le bon, le précis. Est-ce qu'il a des divines? Non il a pas de divine sur lui. On va divine. Et je pense que ça va être tout. Peut-être mettre une friction pour le rapprocher de nous hein, petit à petit. Alors c'est parti. Je vais le mofra cassant. En plus il en est bu haut donc il va faire son retour. Moins 3 PA, on va le retrait. Moins 3 aussi, parfait. Et on va continuer, hein, on va mettre ça. Et on va tournoyant. Ça fait le taf quand même. Hein. Du coup on met le Kra mid-life avec l'Enya Ipsa. Je pense que le Kra va pouvoir choper une ligne de vie pour tuer pour taper le Kra. Sinon je boosterai le Liop et on finira ça comme ça. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Du coup je booste Liop. Et je le flèche de recul pour qu'il soit directement au corps à corps du cran en face. Voilà. Du coup c'est parti. On va mettre un double coup de cac. Je pense pas que ça va le tuer. On le tuera avec un autre sort. Est-ce qu'on va le tuer avec la pression? La pression, concentration. Et ça devrait le kill. Bon bah GG à eux. On va leur dire hein. Hop. Du coup bah c'était Keys. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.